j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour les ATC de la semaine. Donc là, j'ai pris un bout de chute comme ça. Je sais pas si je vais en avoir assez, mais bon, c'est pas grave. Donc là, ça me fait déjà 1, 2. Bon, j'en aurai pas assez, c'est pas grave. 1, 2. Et 4. Donc je vais piocher un autre bout de chute. Les bouts de chute, c'est pas ça qui manque. Hop là, j'ai ce bout de chute là. Voilà, j'en ai deux. Tiens, bon, je pense que je vais faire ça avec ça. Enfin, ça fera tous ensemble. Ça, je les mets de côté. Alors, je recommence. Là, on va couper à 8,9. Hop. Hop. Sur 6,4. Donc, 1. 2. 3. 4. Hop. 5, 6 et 7. Là, j'avais pas coupé. Hein. Ouais, là, j'avais pas coupé. Donc, 8,9. Oh, c'est ici. Hop. Et 8,9. Voilà. Et ensuite, donc on met dessus, en fait, vous savez très bien que j'aime pas travailler avec le papier comme ça, là, qui brille, foil, etc. Ça dépend lequel, mais celui-là, j'aime pas. Du coup, là, je vais faire des bouts de chute de 6. Hop. Bon, j'espère que j'en aurai assez, sinon, bah, c'est pas grave. 6. 6. Et 6, tout pile. Sur 8. Ouais, j'en aurais pas assez. 1, 2, 3, 4. Je vais voir ce que je peux faire avec le restant. Donc, sur 8. Ouais, vous avez vu, là, ça fait 7. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave. Hop. Je vais m'en servir quand même. Donc, 1, 2, 3, 4. 5, 6 et 7. On aura 7. Donc, c'est déjà pas mal. Alors, donc, ce papier-là, il vient de ce bloc-là. C'était un bout de chute qui restait dans mes cases de bout de chute. Et donc, ça, en fait, je vais m'en servir. Je mettrai la colle comme ça. Donc, déjà, bah, je vais les coller. Oui, je vais les coller. Ouais, si je l'ouvre pas, ça va pas aller. Donc voilà. Hop. Donc on en aura 3 grands et 3 petits. 4 grands et 3 petits, je crois. Hop. Au moins qu'il m'en manque une, je crois. Hop. Ah non, c'est bon, ils sont là les 3 petits. Hop. Et la dernière. Voilà. Donc ensuite, dans mes papiers vintage, je vais prendre des bouts de feuilles comme ça, de vieux livres. Donc moi, je vais juste enlever toute la bordure blanche. Hop. Poubelle. Voilà, c'est bon.
et ensuite eh ben, je vais la couper. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 7. Voilà. Donc bah, je vais les coller, je vais les mettre dessus. Vous allez voir, ça va être tout simple. Alors, je vais la mettre comme ça. On va la mettre là. Je viendrai découper tout ce qui dépasse après. Ouais, sinon, je vais plutôt me le mettre debout. Parce que ça va pas le faire après. Ça va sécher après. C'est pas grave. Hop. Ici et puis celui-là. Voilà. Et du coup, je vais me servir de cette bande-là. Donc, j'en mets un petit peu sur chaque ATC. Donc j'ai pas mesuré, j'en ai pas pris des grands et non plus des petites. Normalement je pense que ça devrait aller. Bien sûr, vous avez vu, il rentre pile poil. Mais tout n'est pas la même taille, hein. C'est vraiment pas important. Du coup, je vais les mettre ici. Je mets déjà tous mes... Non. Je mettrai mes doubles faces après. Hop, donc celui-là, il rentre pile poil aussi. Hop. Celui-là, la moitié. Et là, je mets pas du double face... la même longueur que mon ruban, hein. C'est vraiment pas nécessaire. De toute façon, ça tient quand même. Là, je vais prendre un petit peu plus grand quand même. Hop. Allez. Les trois derniers. Hop. Donc, excusez-moi, c'était l'alarme de mon portable. Parce que au moment où que moi je vous fais la vidéo, il est 1h30. Donc l'école c'est à 55, donc j'ai le temps. Et vous verrez la vidéo. Enfin, je vous mettrai la vidéo sur YouTube. Forcément, dimanche à 10h. Donc voilà. Alors, de toute façon, je vais finir après. Vous ne verrez pas grand chose parce que ce sera mis sur pause. Mais j'aurai pas le temps de tout finir là. Hop. Donc voilà. Alors, ça, je vais mettre à la poubelle. Et en fait, comme vous avez dû voir dans le titre, je ne sais pas si je le mettrai le titre, ça va être des ATC Sweet Home. Donc j'avais envie d'utiliser cette page là. Donc oui, je l'enlève parce qu'après j'essaye de m'en servir un maximum quand j'enlève la page. Alors, du coup, je vais mettre la petite maison là. Je vais prendre celle-ci. Non, je vais pas prendre le cœur. Je vais prendre que des maisons. Hop.
Donc on va prendre celle-ci. On va prendre celle-ci. Alors, ce papier-là, il est chiant parce qu'il s'arrache. Soit il s'arrache sur papier blanc ou soit il s'arrache dans l'image. La preuve. Mais une fois que c'est collé, ça se voit pas. Hop. Là, on en a encore une superbe. Hop. On va le mettre là. Et encore deux autres. Voilà. Et ensuite, alors mes petites images, je ne sais pas où je les ai mis. Il me semblait que je les avais mis là. Ou alors, bon, j'ai dû les ranger. Alors, je voulais prendre comme image. Voilà, c'est celui-là avant que tout tombe. Ces petites filles-là. Donc. Je vais voir lesquelles je vais mettre. Hop. Pour l'instant, je les pose et je viendrai les coller juste après. On va mettre celle-ci. Donc, les petits, je vais pas les mettre. Hop. Celle-là est un petit peu trop grande. Celle-là, elle l'a déjà mise. Peut-être mettre celle-ci et puis celle-ci. Voilà. Donc, je mettrai bien pris avec les maisons en dessous. Je vous retrouve tout de suite. Donc, alors, je me suis avancée. Là, je suis revenue de l'école. J'ai recollé tout de suite les stickers parce que vous savez, c'est un petit peu chiant quand on les enlève. Je vais vous faire montrer un petit exemple. Il n'y a pas de petit embout, vous savez, qu'on peut en retirer directement. Donc, en fait, moi, je les pince. Que ça ne soit pas beaucoup, bien sûr. Et du coup, après, je les enlève. Donc, alors, ensuite, sur celle-là, je l'ai fini. J'ai rajouté des petits papillons et j'ai mis la date. Donc, on va faire ça pour les 5 autres. Alors, je ne vais pas mettre des gros papillons. Donc, les papillons, je les prends dans ce bloc-là. Je vais mettre des petits. Mais peu importe la couleur. Hein. Voilà. J'avoue que même sur celui-là, c'est un petit peu dur à enlever. Il y en a, ça va vite, mais il y en a, c'est chiant. Donc là, si je mets la date là, je vais mettre un petit papillon là. Et puis un autre ici, hop, dans les cheveux. Donc, je vais mettre la date, je vais mettre celle d'aujourd'hui, et ben mardi 17. Hop, je vais mettre les dates tout de suite, je serai tranquille. Comme ça, après, je pourrai voir où c'est je mets les papillons. 19. Hop. Et 22. Voilà. Donc maintenant, il nous manque plus que les papillons. Celle-ci, c'est fait. Il nous manque plus que les papillons sur les 5 autres. Alors là, on en a un petit. Là, je vais mettre que des petits papillons dans les cheveux. Ben oui, celle-ci. Donc là, en fait, le papier s'est enlevé du livre. Alors, c'est ce que je vous disais. Ça aussi, c'est très, très, très chiant. Hop. Alors, celle-ci.
Des petits, il n'y en a pas. Il n'y a pas tant que ça. Bon, là, il m'en manque plus que deux, donc c'est bon. Hop, par contre, celle-ci en papier, on ne voit pas trop au pire. Je peux le mettre là, je vais le mettre là. Et la dernière. Alors, je vais prendre celui-ci, si j'arrive à l'enlever. Ah bah, il est sur mon pouce. J'allais dire, je l'ai perdu, ça y est. Voilà, et du coup, maintenant, je vais en mettre un peu plus gros. Alors, je vais prendre celui-ci. Que lui, je pense que je vais mettre là. Et après, je viendrai redécouper ça. Je vais prendre celui-là. On va mettre ici. On va prendre celui-là. Hop. Et puis celui-là. Je crois qu'il me manque encore un. Celle-ci. Le papier va s'enlever avec. Hop. On va le mettre ici. Voilà. Donc maintenant, là, il n'y a rien à retirer. Là non plus, là aussi, un petit peu là, hop, et ici. Là, un petit peu là, ici, hop, et celle-ci, ici. Hop. Voilà. Il est 14h et l'école ça a toujours pas sonné, c'est bizarre. J'entends encore les enfants crier dans la cour là. C'est bizarre. Peut-être qu'ils vont commencer le sport, mais là non, c'est encore la récréation. De toute façon, je les vois de mon bureau. Je vois la cour, ça c'est super. Quand on sera en mi-hiver, je verrai. Ouais, je les vois en récréation en plus. C'est bizarre. Ça y est, ça a sonné. Je les vois tous courir vers le préau là. Ça y est. Donc, alors, 16, 7, je vais vous les mettre dans l'ordre. Ça serait peut-être mieux. 18, 19, 20, 21 et 22. Donc, voilà celle du 16. La luminosité, elle est pas si belle que ça. Hein. Ah, voilà, ça va un petit peu mieux. Donc, voici celle du 16 septembre, celle du 17, du 18, du 19, du 20, du 21 et du 22. Donc, voilà. Je vais bien les installer pour faire ma petite photo. De miniatures peut-être et sinon ma photo sur mon groupe. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche et on se retrouve lundi pour l'ABCDR à 10h. Bisous!